Donc on a proposé au musée ce projet de pouvoir aussi visiter dans un premier temps le musée et le revisiter selon nos inspirations. Donc je pense que c'était un bon point de départ. Et pendant à peu près, je vais dire un an et demi, on est venu librement photographier des œuvres dans le musée. Et puis ensuite se dire comment on va pouvoir retransmettre et retranscrire ces photos d'une manière contemporaine et différente. Donc on avait aussi des gros problèmes dus à tout ce qui était pour les verres filés, tous les reflets. Et donc ça a été aussi un calvaire pour ceux qui ont choisi de travailler sur ces petites miniatures, tout compte fait, en extraire une image différente. Et aussi tout ce qui est faïence est très difficile à photographier parce qu'il y en a toujours des reflets. Donc voilà, chacun y allait de sa créativité. Vous pouvez apprécier dans les jardins, 20 photos. C'est 17 photographes ont participé du Ciné Photo Club. Mais à l'origine, il y en a beaucoup plus. Donc cette sélection donc, visible dans les musées, on a choisi celle-ci parce que pour faire un catalogue, une diversité. Mais les autres photographies seront visibles dans les vitrines du Ciné Photo Club. On va les mettre tout l'été et vous pourrez voir le complément parce qu'il y en a au moins une cinquantaine qui ont été réalisées. Alors bien sûr, il y a eu aussi des photographes qui ont travaillé sur les mêmes sujets, comme on peut voir le contrebassiste là-haut. Si on avait voulu, on pouvait faire aussi toute une mosaïque de cette œuvre. Voilà, donc l'intérêt aussi, c'est d'avoir une exposition en extérieur qui est visible par tout un chacun. Mais quand on a installé dans les jardins, on s'est aperçu en plus qu'il y avait la maison Arpage à côté et qu'on a pu aussi avoir quelques échanges pendant l'installation avec les résidents et qu'ils étaient très contents, ce qu'on fait, de pouvoir, d'avoir des tableaux, comme ils disent, dans les jardins. Donc ça leur fera aussi un but de promenade et c'est aussi un lieu d'échange parce qu'on avait réalisé aussi le midi, il y a des gens qui viennent passer leur pause et faire leur petit repas de midi sur un banc. Ça, c'était le côté intéressant. Alors, cette exposition n'aura pas été que de se préoccuper que de faire de réaliser les photos, d'en tirer une image différente. Mais aussi, elle a été menée de A à Z, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il fallait des supports, qu'il fallait aussi par rapport, qu'on ne pouvait pas placer directement les photos sur le mur, parce qu'il y avait des pierres qui dépassaient, qu'il fallait utiliser une certaine quincaillerie en inox pour pas que ça rouille, et tout un tas de choses comme ça. Et qu'on a, donc il y a beaucoup de bénévoles aussi au niveau du club qui se sont investis pour qu'on puisse réaliser toute ce qui est nécessaire à l'implantation d'une telle exposition. Exposer sur des murs, il y a une scénographie, il y a des choses qui sont parfois aussi à penser, mais accrocher sur des cimaises à l'intérieur, c'est bien plus simple. Là, on a tout un tas de paramètres qui font qu'on espère en plus que cette exposition va pouvoir résister au temps et pendant 5 mois. Pourquoi 5 mois? C'est parce qu'en octobre prochain, il y aura aussi dans le musée de la faïence, dans le cadre du mois de la photo, il y aura Michel Kirsch, qui est un grand photographe maintenant international, parmi tous nos invités, parce qu'il y aura 40 expositions sur la Nièvre, et Michel Kirsch va donc investir, occuper toutes les salles du musée. Des grands tirages, 2 mètres par 2 mètres 70, des triptyques, enfin je vous laisserai découvrir tout ça, vous verrez, ce sera une autre approche. Donc 2 expositions sont présentées là. Alors je voudrais remercier un peu la ville, le musée, aussi Yann qui doit quelque part et qui nous a aussi énormément... je veux dire, abreuvé mercredi parce qu'ils étaient très chauds, ils s'occupaient vraiment de nous apporter de l'eau, de nous avoir fait tout ce dont on avait besoin. Et voilà, donc on remercie toutes ces petites choses qui font que ça nous a aidé à mettre en place ce projet que nous avons pensé donc, déjà depuis très longtemps. Voilà, maintenant,
Merci à tous. Je voudrais rajouter quelque chose qui a son importance. Ces tirages sont quand même assez surprenants. On a fait réaliser des tirages de qualité donc par Yannick Pilon qui est donc parmi nous et Yannick donc Medialty est aussi un partenaire du mois de la photo. Mais c'est quelqu'un qui est très soucieux et très pointilleux et à la fin on a vraiment une satisfaction en ayant des photos vraiment de qualité. Alors merci aussi à Yannick.